Hi, donc aujourd'hui il est 4h du matin. Donc ça peut être à quoi? We're going to Barcelona. Donc 2 heures de vol. Les bagages, trop lourd. Fais tout noir là-bas, regarde. Ça fait trop peur. On s'apprête à aller à l'aéroport de Croatie. Enfin, il y a un ami de ma mère qui va nous déposer là-bas. On a le droit qu'à 10 kilos. Et c'est très compliqué parce que là, pour l'instant, j'ai mis 5 kilos dans ma valise parce que en retour aussi, j'en ai plein de choses et je ne sais même pas comment je vais faire en retour. De toute façon, on est franchi d'en mettre ton sac à dos. Ouais. Ok. Yes, good morning. Everyone. Mais non, mais moi. Ask you what you're thinking about. Ask you what you're dreaming about. Say your life is full of doubts. You don't know what you're talking about. You tell me what's on your mind, but how can you be so blind? C'est froid. Donc là, on vient d'atterrir à Barcelone. On est à l'aéroport. D'arriver à notre appartement Airbnb. Je vais vous faire un house tour. Déjà là, on rentre, on a les escaliers, puis la porte, c'est l'entrée. On a une vue comme ça, de la cuisine, la table à manger. Ensuite, sur la droite, on a le canapé, le salon, la télé. Donc voilà, là il y a la cuisine. Ensuite, ici on a 3 portes. On a la porte ici, la deuxième porte, et la porte ici pour la salle de bain. Donc la salle de bain se présente comme ça, les toilettes, le grand miroir avec les roses. Ensuite ici on a la douche. Voilà. Alors la première porte, on a notre chambre. Ouais. Ouais. Alors ici il y a le lit de Natacha. Là il y a Natacha. Là il y a mon lit là-bas. Là il y a Rochelle qui se change. On a un petit miroir ici. Qui est bien. Ensuite le lit de Rochelle, ce sera juste là-bas en dessous. Ouais, on va tirer bah, comme d'habitude hein. Donc ici il y a la chambre des parents. Papa arrête là. Là il y a les towels, là il y a leur body. Ah, là il y a leur regarde. Là, hop là. Mais il y en a beaucoup là-bas. Non, y regarde. Il y en a aussi. Waouh, il n'y a rien, c'est vide. Et puis voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je suis pas vraiment professionnelle pour faire des house tours. Donc j'espère que je l'ai bien fait quand même. J'ai vraiment trop mal. Je vais m'allonger pour un petit moment. Donc voilà, à tout à l'heure. Ok. Donc c'est notre premier jour à Barcelone.
Et on vient d'arriver dans notre Airbnb, dans notre maison où on va rester. Et je trouve que c'est très très beau. Et là on s'apprête à sortir pour aller manger et juste se promener un peu. En fait le truc qui est très très embarrassant, c'est que j'ai fait de l'espagnol pendant 4 ans je pense. Et que là je sais juste dire comment je m'appelle. Tous embarrassés. Bye. On va faire le tour, on va aller voir le Parguel et la Sagrada Familia. C'est parti. Ok, bah on y va. On y va. Ah, ça me saoule, c'est quoi ça? Désolé les gars. Il y a beaucoup beaucoup de viennoiserie. On va déjeuner ici. Je faisais la baguette avec du fromage et des jambons. Et c'est super. Et c'est juste 2,50€ pour tout ça. Je sais pas combien de kilomètres on a marché. Ouh là là, c'était très long. Et là on vient d'arriver au Parguel, juste à l'entrée. On n'est pas encore vraiment à l'intérieur. Regardez, je vais une Banda. 1, 2, 3, 1, 2, en fait, c'est tellement chaud que t'as mal à la tête, c'est ça? Je veux plus rien faire d'être à la plage. J'ai même pas mes lunettes de soleil, j'ai oublié à la maison. À la maison, oh mince. Tu veux que je te prête mes lunettes ça demain? T'as des lunettes d'autres lunettes? Ouais, tu veux que je te prête ça demain? Mais j'ai pas là sur moi. Attends, j'en veux un. Allez, encore. On a fini avec le Parguel, Guel, je sais pas comment on prononce. On va aller à la Sagrada Familia. On va marcher comme d'habitude. J'ai attaché mes cheveux parce que franchement il fait tellement chaud. Je pense qu'il doit faire 35-36 degrés. Et avec mon vêtement là, la matière c'est pas vraiment ce qui est le plus léger. Donc c'est une matière qui est bien chaud en fait. Qui colle à la peau. Vraiment j'aurais dû pas mettre ce haut. Mais c'est pas grave, c'est worth it pour les photos. Voilà. Là, je vais pouvoir trouver un yoga factory parce que les yoga factory, si vous connaissez pas, c'est que j'adore les yoga factory et frozen yogurt et yaourt glacé. Ici, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'espère vraiment pouvoir en trouver. L'autre, elle est tellement fatiguée, elle veut plus bouger. Ouais, mais ça va, ça fait du bien de marcher. C'est bon pour la santé, pour mieux découvrir la ville. Ouh là là, ouh là là, ouh loulou. On se retrouve actuellement devant la Sagrada Familia. C'est super chaud. Sur l'avenue de la Rambla, c'est une avenue très convoitée, touristique et célèbre. Il y a beaucoup beaucoup de boutiques, de magasins, restaurants, etc. Regardez, maman, elle a enfin trouvé son rêve. Il faut savoir que ma mère, elle est super super fan de Dunkin' Donuts. C'est vraiment un truc de fou, hein.
Donc moi j'ai choisi l'Oreo et déjà Lily elle a choisi le Kit Kat. Ok, super. Et elle, elle a choisi le truc de Domer là, je sais pas comment ça s'appelle. Et mangue pour la maman. Et papa, t'as choisi quoi? Rien du tout. Je mange pas de gants. Mais j'écoute, j'écoute. Donc là, on se trouve devant la Boqueria, qui est un marché où on peut trouver beaucoup de choses comme du jambon. On peut trouver des smoothies, des fruits et des légumes et des jambons. Des fruits à 1 euro et des jus aussi. J'ai acheté des noix de coco. Ils sont là, je me prendre ça. Donc on a pris des jus de fruits. J'ai pris de la mangue et elle aussi elle a pris de la mangue. En fait c'est différent goût mais c'est hyper bon. On voit pas mais bon c'est pas grave. D'acheter des vêtements parce que là c'est pas possible. Que... Oh là là, c'est rouge! Non! Non! Traverse! C'est pas grave. Donc voilà, il est là le plein air. Ok, bref, à toute, bye! On va à plein air là.